Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'attends que vous vous connectiez, que vous soyez plus nombreux à rejoindre le direct. Surtout, n'hésitez pas à le partager. Ce direct sera fait aujourd'hui exclusivement en français. S'il y a des mots en lingala, s'il y a quelques phrases en lingala, parce que bien sûr c'est ma langue maternelle, je les traduirai. Pourquoi? Je les traduirai en français. Pourquoi? Tout simplement parce que cette affaire, cette sale affaire Gladys, nous touche tous. Bonsoir Christy Ronaldine qui dit enfin un direct en français. Oui, je fais le direct en français ce soir parce que j'ai vu que cette affaire a dépassé hein, le clivage congo-congolais et a touché bon nombre de personnes dans toute la communauté africaine, que ça soit surtout chez nos frères ivoiriens, que je remercie vraiment pour le soutien et pour cette solidarité qu'ils ont su manifester à travers les forums, de la manière dont ils ont soutenu une sœur africaine, donc Gladys, pour toute la communauté africaine et au-delà, bien entendu, parce qu'on parle ici de barbarie. On parle d'actes d'une violence inouïe, d'actes totalement répréhensibles et incompréhensibles. Voilà, c'est pour ça que je souhaitais essentiellement m'exprimer en français, pour que tous nos frères et sœurs africains qui ont eu à être touchés par cette affaire puissent réagir et voilà, pour qu'on puisse partager ensemble. Alors, si je fais un direct ce soir, c'est parce que vraiment, j'ai été vraiment bouleversée, j'ai été choquée. J'ai été choquée par cette histoire, mais vraiment glauque. Un acte vraiment inimaginable et abominable. Quelque chose qu'on pensait ne plus à revoir dans notre communauté, au sein de la société congolaise. Parce que pour ceux qui savent, on a déjà eu un cas similaire, mais pas qui n'a pas été jusqu'à cette extrémité, jusqu'à cette barbarie. On a eu un cas similaire au Canada avec l'affaire Chouchou Ilunga, cette femme enfin, qui, avec sa bande organisée, avait séquestré une jeune fille au Canada, à peu près pour les mêmes raisons, parce que la fille était sortie avec le copain de Chouchou Ilunga. Voilà. Donc on s'était dit que cette histoire et le retentissement qu'il a eu, la solidarité aussi qu'il y a eu quand il y a eu l'affaire Chouchou Ilunga, et le fait que ben voilà, il y a eu des condamnations unanimes. Franchement, on se disait, on ne va plus revoir ça dans notre communauté. On ne va plus revoir ce genre de choses, ce genre d'actes de violence, surtout entre femmes. Parce que on parle des viols en République démocratique du Congo, des viols de guerre, qui sont des crimes contre l'humanité. On parle des viols de guerre de nos mamans en RDC, de nos sœurs en RDC. Mais on voit que bah, la barbarie, elle ne vient pas que de l'extérieur, d'une agression de la femme congolaise par des éléments extérieurs, mais la femme congolaise est agressée aussi à l'intérieur et par ses propres frères ou sœurs congolais. Et donc ça revêt encore un caractère encore plus immonde, plus abominable.
Ce que je voulais vraiment condamner ici, surtout n'hésitez pas vraiment à partager le direct pour nos frères et sœurs qui ne sont pas forcément abonnés à ma page pour qu'ils puissent voir, partagez-le le plus possible pour qu'on puisse interagir ensemble. Donc, comme vous avez vu cette vidéo qui a circulé et qui nous a tous bouleversés, il s'agit de cette jeune femme, Gladys, qui a été pris au piège par, on va dire, sa rivale, on ne peut même pas appeler ça une rivalité, parce que parce qu'elle nous a dit tout simplement dans son témoignage que elle avait cessé toute relation avec le mari de cette personne, de cette Michelle en question. Elle nous a dit dans son témoignage, dans sa vidéo témoignage, que le mari de Michelle, ce fameux Tony là, qui est d'un seul coup devenu célèbre pour rien en fait, ce Tony l'aurait dragué via Facebook et il s'en est suivi des échanges entre les deux. Ils se sont rencontrés sans pour autant que ce monsieur lui dise qu'il était marié. Bon, ça c'est, je laisse ça à votre appréciation. On peut la croire, tout comme on ne peut pas la croire, mais moi, je choisis franchement de croire la personne parce qu'elle a reconnu quand même la relation et je préfère lui donner le bénéfice du doute. Je préfère lui donner le bénéfice du doute. On part sur la base que cette jeune femme ignorait que le monsieur était marié. Parce qu'on sait très bien que les hommes qui sont mariés et qui s'amusent à draguer à l'extérieur ne s'amusent pas à crier sur les toits qu'ils sont mariés. Hein, on le sait. Donc il est fort probable, fort possible que ce monsieur ait caché sa situation matrimoniale. Et voilà, Gladys, il s'est passé ce qui s'est passé. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire entre adultes, consentants. Comme elle nous a expliqué, elle s'est rendue compte que voilà, là, c'était pas ça, que ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. Elle a mis court à cette relation, malgré les insistances de Tony, etc. Et ils se sont perdus de vue. Bon, on est dans une situation où il y a eu quand même, on va dire, une traque. Cette jeune femme, elle a été traquée par son bourreau, qui n'est autre que la femme du Tony en question. Parce que la Michelle est tombée sur, elle est tombée sur les échanges entre Gladys et son mari. Et elle a décidé de continuer à converser avec Gladys, qui avait pourtant coupé tout contact avec son mari, en se faisant passer pour Tony. Voilà, bon. Je pense qu'on ne va pas trop revenir là-dessus. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, il y a eu des échanges entre les deux. Le piège a commencé petit à petit à se refermer sur Gladys. Michel, qui vit à Bruxelles, qui vit en Belgique, a décidé de prendre carrément un billet d'avion. Hein? Elle a pris un billet d'avion pour aller punir celle qu'elle estime être sa rivale. Bon, je tiens encore à préciser une fois ici, avant vraiment de développer notre sujet, que quand nous prenons la part de Gladys, nous ne prônons pas l'adultère. D'accord? Je ne suis pas là pour défendre toutes les maîtresses, je ne suis pas le porte-étendard des maîtresses ou des non-officiels, second bureau, troisième bureau, etc. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour remettre en cause les sacrements du mariage. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour me faire, disons, on va dire, la défendresse de toutes les femmes qui, entre guillemets, volent. Parce que vol, moi, je n'aime pas utiliser ce mot-là. Un homme n'est pas un objet hein, qu'on peut dérober, qu'on peut voler à l'insu de son plein gré. Un homme se donne. Comme je le dis tout le temps, pour commettre un adultère, il faut être deux. Ça se fait à deux.
On n'a pas drogué le gars, on lui a pas mis un pistolet sur la tempe pour que il trompe sa femme. Il le fait de son plein gré, en sachant que la démarche a d'abord été faite par l'homme qui a dragué Gladys, pardon, via Internet, via Facebook. D'accord? Voilà. Donc, on parle de deux adultes consentants qui ont eu une relation entre adultes. Maintenant, il est normal qu'une femme puisse péter les plombs. Il est normal qu'une femme puisse s'émouvoir, être consternée, révoltée par le fait que son mari la trompe. Ça, on est d'accord là-dessus et on ne revient pas là-dessus. Ce que nous condamnons ici, ce qui fait que nous sommes solidaires de Gladys, c'est l'acte de barbarie qui a été posé par l'épouse légitime de Tony. Un acte prémédité. Il faut le faire. Il faut le faire. Je vous rappelle quand même que Bruxelles-Kinshasa, c'est 8 000 km environ, hein? 8 000 km. Tu as eu le temps de traquer ta proie. Tu as eu le temps de l'appâter, de la ferrer. Tu prends un billet d'avion, toi qui es épouse légitime, et tu descends à Kinshasa. Tu continues à te faire passer pour ton mari et tu jettes un filet pour attraper ta proie. Gladys se retrouve donc prise au piège à l'intérieur de la maison du mari, où elle se retrouve bah, face à cette espèce de furie, à cette folle furieuse, et sa famille qui était là, parce qu'elle n'était pas seule, ils étaient quand même. Il y avait les gardiens, il y avait des membres de sa famille. Je crois même qu'il y avait peut-être sa une grand-mère qui a circulé dans cette vidéo, je ne sais pas quoi. En tout cas, elle n'était pas seule. C'était non seulement quelque chose de prémédité, quelque chose d'organisé, parce que elle a bénéficié d'aide extérieure, enfin elle a, intérieure plutôt, elle a bénéficié d'aide de ses proches pour traquer cette jeune femme et la ramener dans sa tanière, parce que c'est une louve. C'est une louve, cette Michelle. Pour moi, c'est une sociopathe. Elle peut dire ce qu'elle veut, elle peut demander pardon, elle peut faire des vidéos où elle se contredit, un moment elle demande pardon et un moment elle dit qu'elle assume et elle nous fait comprendre que voilà, elle a fait ce qu'elle avait fait, parce que son honneur de femme mariée a été bafoué. Elle peut trouver toutes les justifications du monde, elle peut trouver toutes les raisons du monde. Il n'y a aucun acte, il n'y a aucune raison qui peut justifier l'injustifiable. Ce qu'elle a fait, c'est un acte de barbarie, mais total. Il y a eu d'abord, on va dire, enlèvement, parce que on est venu la chercher d'un point A pour la ramener vers un point B. D'accord? Il y a enlèvement. S'en est suivi une séquestration. S'en est suivi des violences physiques, des coups, humiliation. On a déshabillé cette femme face caméra. On l'a laissée totalement nue. Nue. On l'a rouée de coups. On lui a fait des choses immondes. Je ne sais pas si la Michelle en question a des tendances lesbiennes. Si elle est bisexuelle, si, je ne sais pas, dans sa fureur, elle en a profité pour lâcher une frustration sexuelle et se déchaîner comme ça sur cette fille qui l'a suppliée, qui lui demandait pardon, qui a reconnu son erreur, qui lui a expliqué que je ne savais pas qu'il était marié. Une fois que j'ai su qu'il était marié, j'ai arrêté toute relation avec ton mari. Je te demande pardon, je reconnais ma faute. Cette femme s'est humiliée. Elle s'est humiliée, elle a demandé pardon. Mais cette Michelle était prise dans une folie, on va dire, destructrice. Elle a été prise dans un engrenage destructeur. Parce qu'elle n'arrêtait pas de répéter, j'ai la haine, j'ai la haine, j'ai la haine, j'ai la haine. Donc elle ne voulait rien entendre des déclarations de sa victime, qui l'a suppliée de ne pas l'humilier.
Elle était dans une posture de préméditation. Donc, ce sont des circonstances qui sont aggravantes. Elle n'a aucune circonstance atténuante, cette Michelle. Alors, les gens qui viennent défendre cette ignominie, les gens qui viennent défendre cette barbarie, sous prétexte qu'il faut se mettre à la femme, à la place de la femme, elle a été déshonorée, et patati et patata, comme si c'était la première femme au monde dont le mari avait des démangeaisons dans ses parties intimes. Il fallait absolument qu'il aille ouvrir sa braguette et fourrer sa cuillère dans n'importe quelle tasse. Ce n'est pas la première, ni la dernière. Et je pense même que dans la vidéo, elle reconnaît que son mari, que c'est pas la première fois que son mari fait ça. Je crois qu'elle le dit même à la jeune Gladys, qu'elle connaît ce genre de femme et que c'est pas la première fois. Mais alors, ma chère, si tu sais que ton mari est un récidiviste, si tu sais que ton mari a la braguette fragile, facile, si tu sais que c'est son genre de te tromper, ma chère, avant d'aller t'attaquer à cette jeune femme pour laquelle tu n'as manifesté aucune pitié, mais règle tes problèmes de couple avec ton infidèle de mari. Il faut régler tes problèmes avec ton infidèle de mari. Ne va pas t'en prendre à une femme comme toi, qui, certes, consciemment ou inconsciemment, a commis un acte qui, moralement, est condamnable et reprochable, mais cet acte ne mérite pas une telle action. Moi, j'aimerais qu'on me sorte l'article du Code civil qui dit que l'adultère mérite pareille action. On n'est pas dans un État islamique où il y a la charia qui est appliquée en cas d'adultère. On est quand même dans des pays censés être démocratiques. Vous ne pouvez pas régler vos problèmes conjugaux de cette manière. Dans ce cas, à quoi sert la justice? Pourquoi il y a des personnes qui sont condamnées pour des crimes passionnels? On voit même des personnes, je prends l'exemple par exemple de Jacqueline Sauvage, qui a tué son mari parce que pendant des années, elle a été maltraitée, elle a été rabaissée, elle a été battue. On a quand même arrêté cette femme qui était en état de légitime défense. Elle a fait de la prison. On a dû, il s'en est suivi un procès, etc., pour qu'on puisse la relâcher. Même quand vous êtes en état de légitime défense et que vous tuez quelqu'un, que vous blessez quelqu'un, vous devez être entendu. On doit juger si vous étiez réellement en état de légitime défense et on apprécie si vous êtes libérable ou pas. C'est ça un état de droit. On ne peut pas commencer chacun à se faire justice pour tout et n'importe quoi. Mais surtout pour un adultère. Surtout que toi-même, la Michelle en question elle-même, est-ce que c'est une femme qui est exemplaire? Parce que nous avons des témoignages des personnes qui la connaissent. Vous voyez, nous avons des exemples de personnes qui la connaissent, des témoignages de personnes qui la connaissent et qui disent que, ben voilà, elle aussi, mais elle a commis l'adultère avec celui qui est actuellement son mari. Que ce Tony était précédemment en couple avec des enfants quand il fréquentait la Michelle. Qu'elle aurait mené une vie infernale à la précédente femme de ce Tony. Donc, comme on dit, bah, voilà, la vie, c'est un boomerang, hein. Ce que tu fais, ce que tu sèmes, tu finis toujours par le récolter. Ce que tu as fait,
On va te le faire. Mais toi, quand tu avais pris le mari d'autrui, quand tu as pris le mari d'autrui, tu étais heureuse. Le mari en question, il t'a épousée. Maintenant, tu es ravie de nous montrer ton alliance. Tu nous dis que, voilà, tu es une femme mariée, qu'on ne touche pas à ton mari, mais toi-même. Tu as connu cet homme et il était marié. Est-ce que sa précédente épouse t'a humilié comme toi tu as humilié Gladys? À un moment donné, il faut raisonner, il faut réfléchir aux actes que nous posons. Une mère de famille, il paraît qu'elle a 4 ou 5 enfants de je ne sais combien de pères différents. Je ne suis pas là pour juger sa vie personnelle ou voilà, on a tous notre vécu, on a tous notre passé. Nous sommes là pour parler d'un acte qui nous a tous révoltés, qui est l'acte de barbarie qu'on a posé envers contre Gladys. Moi, je ne suis pas là pour juger son passé. On est en train de la juger sur quelque chose de concret, de réel, quelque chose que nous avons tous vu. Et vraiment, si ceux qui la défendent, j'ai vu des femmes défendre ça. Des madame, son épouse. Madame, mon épouse. Parce qu'elles se disent, nous sommes fatiguées de ces filles qui viennent chiper, voler nos maris. Mais madame, mesdames, vos maris là sont pas des objets? Vos maris ne sont pas des objets. On ne les vole pas. On ne vient pas les dérober alors qu'ils sont inconscients. Il faut savoir que le voleur n'aime pas être volé. Ceux qui disent que nous sommes en train de cautionner l'immoralité, mais de quelle immoralité vous nous parlez? Est-ce que la réaction de l'épouse est morale? Est-ce que Michel, elle, a fait preuve de moralité? Donc votre conception de la moralité, elle est unilatérale, elle est à sens unique. On condamne l'adultère. Mais on cautionne la barbarie d'un côté. Et vous osez parler de moralité. Quand vous voulez parler de moralité, il faut parler de la morale dans son ensemble, de manière globale et non unilatérale. On ne peut pas condamner l'adultère et se faire chantre de la moralité, chantre de la fidélité, tout en cautionnant la barbarie. Mais attendez, c'est insensé. C'est insensé. Ce que vous êtes en train de faire, c'est comme ces personnes qui, quand une femme se fait violer, demandent, mais oui, mais qu'est-ce qu'elle faisait là, à cet endroit-là, à cette heure-là? Pourquoi est-ce qu'elle était habillée de cette façon-là? Peut-être que c'est son accoutrement qui a fait que, ben voilà, son violeur passe à l'acte. Vous vous rendez compte? Vous êtes en train de justifier le mal. Vous êtes en train de justifier le mal. Concentrons-nous sur ce qui s'est passé. On a humilié une femme. On l'a mis à nu. On l'a battue. On lui a fait des choses, on lui a demandé d'écarter ses jambes, et l'autre dans sa folie qui disait je vais coucher avec toi, etc., etc. On a vu ce qui s'est passé en tant que femme, en tant que mère, en tant que fille, en tant que sœur. Mes sœurs, mes mamans. J'en appelle ne fût-ce qu'à la solidarité féminine. Qu'on nous viole par des hommes, des inconnus, etc. Mais que nous-mêmes, femmes, nous commettions le pire sur une autre femme, pour un homme. Tu vas gâcher ta vie. Tu vas sûrement peut-être aller en prison pour un homme qui n'en est pas à à son premier acte d'infidélité. Tu vas laisser tes enfants, tu vas aller en prison pour un homme. Qui a laissé son épouse pour toi et qui te trompe. Tu savais en te mettant avec cet homme que c'était un homme infidèle.
Parce que tu l'as trouvé dans les mains d'une femme, ce qu'il a fait à sa précédente épouse. Mais il va te le faire à toi. Donc tu ne dois pas être choqué. Et tu ne dois pas aller transmettre ta frustration sur une femme comme toi. Et l'homme dans tout ça. L'homme dans tout ça. Il fallait aller jusqu'au bout de ta logique. Parce que c'est ton honneur apparemment qui a été souillé. Il fallait aussi prendre ton mari. Tu as des frères. Tu as des oncles. Tu as des cousins. Parce que le mari était présent. C'est ça, ce qui m'énerve encore plus. C'est ça. C'est le fait que cet individu, ce lâche, était présent. Pendant qu'on torturait celle avec qui il s'est enjaillé, celle avec qui il a trompé son épouse, cet homme, si on peut appeler ça homme, parce que pour moi, ce n'est pas un homme. Hein. Ce gars, ce n'est pas un homme, c'est une omelette. Cet homme s'est enfermé et a laissé sa folle furieuse d'épouse commettre des actes irréparables sur la personne de Gladys. Donc, vous là, les femmes là, qui en 2019, vous qui êtes mariées parce que vous pensez que le mariage est un trophée, pourquoi vous ne vous respectez pas en tant qu'épouse? Hein? Pourquoi vous ne gardez pas votre. Pourquoi vous ne vous drapez pas dans votre dignité d'épouse? Pourquoi vous vous rabaissez parce que vous dites que ces maîtresses-là qui vous piquent vos maris sont des moins que rien? Ces femmes-là ne vous valent pas, ne vous arrivent pas à la cheville. Mais maman, ma sœur, si tu sais que celle qui couche avec ton mari ne t'arrive pas à la cheville, que toi tu es la reine, la princesse assise sur son trône, mais faut pas descendre de ton trône. Garde ta majesté. Reste à ta place d'épouse. Règle ton compte, tes comptes avec ton mari, ton infidèle de mari. Parce que c'est lui qui a prêté serment de fidélité. Les maîtresses là n'ont pas prêté de serment, n'ont pas juré qu'elles n'allaient pas coucher avec le mari des gens. Celui qui t'a prêté, qui, quand vous êtes passé devant monsieur le maire ou devant le curé ou je ne sais quoi, quand vous avez fait vos serments d'amour, vous étiez deux. Celui qui a brisé le serment, c'est ton homme, madame. Donc, il est logique que ça soit ton homme qui paye les pots cassés. Il faut être deux pour commettre un adultère, mais il faut être aussi deux dans le mariage. Et on dit qu'une femme sage, c'est bâtir sa maison. L'insensé l'a détruit de ses propres mains. Et Michelle est une femme insensée. Nous, nous avons vu, parce que vous pensez que j'ai vu des commentaires des gens qui disaient, ah, mais cette Youyou Moutoumoussi là, elle est divorcée, elle n'est pas mariée, et c'est pour ça qu'elle ne peut pas comprendre la douleur de Michelle. Ah bon? Mais je suis maman de deux grands-enfants. J'ai été une épouse durant 11 ans. Qu'est-ce que vous en savez de ce que moi j'ai vécu dans mon mariage? Qu'est-ce que vous en savez de ce que les gens ont vécu avant de dire que on prend? Parce que pour certains, hein, ceux qui défendent la Michelle, ceux qui défendent Michelle pour eux sont, excusez-moi du terme, des salopes, des voleuses de mari. Sont des personnes qui sont en train de défendre l'immoralité et l'infidélité. Mais vous êtes malade. Excusez-moi. Vous n'allez pas bien dans vos têtes. Est-ce que c'est l'infidélité que nous défendons ou c'est l'acte de barbarie posé que nous condamnons? Hein? Qui parmi vous est parfait? Que celui qui est exempt de péché jette la première pierre à Gladys. Si vous, dans vos mariages, tout est parfait, jetez la pierre à Gladys.
Nous ne cautionnons pas l'infidélité. Nous dénonçons l'acte de barbarie qui a été posé d'une femme envers une autre femme. C'est ça que nous condamnons. C'est ça. Restons sur les faits. Restons sur le droit. Il y a eu un crime qui a été commis. Vous l'avez vu. Ce sont des actes très graves qui sont punis par la loi. Donc il n'y a même pas à chercher à comprendre pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a... Oui, mais quoi? Ton homme ne sait pas tenir sa cuillère. Il la trempe dans n'importe quelle tasse. Mais il faut t'en prendre à ton homme. Ton homme était là, pourquoi tu n'as pas humilié ton homme? Pourquoi tu ne l'as pas sorti? Pourquoi tu n'as pas demandé à tes frères, à tes oncles, à tes cousins de tabasser cet homme qui a brisé le serment du mariage en allant te tromper? Mais ton homme, tu l'as protégé et tu continues à revendiquer le fait que tu es marié. Mais t'as raison, tu l'as perdu. Nous soutenons aujourd'hui la maîtresse parce que toi, en tant qu'épouse, tu t'es déshonorée. Voilà pourquoi nous prenons part pour celle avec qui ton mari t'a trompée. Et puis, franchement, il faut regarder aussi vos attitudes. Nous, je dis quand je dis vous, je dis aussi nous. Donc, je vais dire nous pour ne pas dire vous. Je vais dire, nous femmes, il faut que nous regardions aussi nos attitudes dans nos foyers. Je ne suis pas en train de chercher des excuses pour les hommes infidèles qui trompent leurs femmes à gauche et à droite. Je dis une chose. Il faut regarder nos attitudes. Il n'y a rien qui justifie l'infidélité. Il n'y a rien qui justifie aussi qu'on pose un acte de barbarie envers une autre sœur, envers une autre femme, parce que le mari a été infidèle. Mais observons-nous, avant de jeter la pierre à l'autre, avant de regarder la poutre dans l'œil du voisin, enfin plutôt la paille dans l'œil du voisin, observons d'abord la poutre qui est dans notre œil et qui nous empêche de voir. Maman, ma sœur, quelle est ton attitude en tant qu'épouse dans ton foyer? Comment parles-tu à ton mari? Est-ce que tu le respectes? Est-ce que tu fais ce qu'il faut pour être une bonne épouse? Je ne dis pas que si tu es une femme parfaite, ton mari ne va pas te tromper, parce qu'il y a des hommes qui sont comme ça. Il y a des hommes qui sont pires que des chiens. Même s'il a la plus belle femme du monde, même s'il a la femme la plus compréhensible du monde, même s'il a la femme la plus sage du monde, si c'est un esprit qui est en lui, qui le pousse à chaque fois à aller voir ailleurs, il ira voir ailleurs. Je dis bien, nuance, je ne cherche pas des justifications pour les infidèles. Mais je dis que certaines de nos attitudes peuvent pousser à l'infidélité, peuvent pousser à la négligence, peuvent pousser à la fissure au sein d'un foyer. Et quand je vois l'attitude de cette femme, de cette Michelle, quand je vois sa sauvagerie, quand je vois sa barbarie, je me dis, mais attends, ma sœur, mais tu t'es trompée de... Je ne sais pas, faut devenir catcheuse, boxeuse ou peut-être garde du corps. Tu t'es trompée de vocation. Toi, tu es le genre de personne là que, je ne sais pas, on devrait t'insérer, les M23 devraient te recruter. Pour les non-Congolais qui ne savent pas qui sont les M23, je vous invite à taper M23 dans vos moteurs de recherche Google. C'est un groupe armé, soutenu par le Rwanda, le Burundi, etc., et qui commet des atrocités en République démocratique du Congo, surtout à l'est de la RDC, qui commet des viols de guerre, etc. Ce sont des criminels de guerre, des violeurs.
Donc cette femme, cette Michelle, pour moi, c'est une M23, une recrue vraiment toute trouvée, une tortionnaire. Vous êtes là à humilier. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes des femmes. On vous a mariées. Mais sois sûre de ton statut. Moi, je ne peux même pas, en tant qu'épouse, le temps où j'étais une femme mariée avec mon mari à la maison, même si j'avais des soupçons ou quoi, je ne pouvais même pas me rabaisser, même à prendre le téléphone pour appeler ma... Je ne considère même pas ça comme une rivalité. Parce que quand tu connais ta valeur en tant que femme, tu ne peux pas te rabaisser à ce genre de choses. Moi, aujourd'hui, là, je ne peux même pas prendre mon téléphone. Moi, you, je ne peux pas prendre mon téléphone parce que j'ai des soupçons que mon mec me trompe. Prendre mon téléphone et puis me rabaisser. Peut-être même que ça, c'est avec une gamine, peut-être qui a l'âge de ma fille. Et puis, à mon âge, là, hein, maman que je suis, je vais commencer à m'embrouiller, à faire des statuts sur Facebook, à menacer. Oui, pourquoi tu as volé mon mari? Mais quand elle va me dire, mais ton mari, là, est-ce que c'est sac? Ton mari, là, est-ce que c'est portefeuille pour que je le vole? Qu'est-ce que je vais répondre? Parce que le mari, il a des jambes, il a un cerveau, il a une bouche. Le mari, quand il va te tromper, il le fait en son plein gré. Personne ne l'a drogué, personne ne l'a menacé avec une arme. Donc, si je suis une épouse ou une femme et que mon conjoint, mon compagnon me trompe, pourquoi je vais aller me rabaisser? Mais je vais lui régler son compte à lui. Je vais faire venir sa famille. Je vais l'humilier devant sa famille. Je vais lui montrer que tu n'es pas un homme. Que tu es une lavette, une omelette. C'est lui que je vais humilier. Je ne vais pas aller me rabaisser, aller me battre. Mais tu te rends compte si tu as un mari qui est un infidèle congénital. Un mari dont la braguette, hein, démange à chaque fois, il faut qu'il la baisse. Mais tu vas te battre combien de fois par jour, par an? Tu vas passer ta vie à te battre. Toi, une maman, mère de 5 enfants. Et puis, il faut voir dans quelle tenue, s'il vous plaît. Dans quelle tenue? Déjà, pour commencer, elle était sale, madame mon épouse. Elle a mis un short ou un caleçon, on ne sait pas de quel jour il datait, très sale, vulgaire. Moi, quand j'ai vu la personne qu'elle a agressée, je me suis dit, mais il n'y a même pas photo. J'ai même compris l'homme. Je me suis dit, mais oh, mais franchement, hein, quand tu es une épouse, vaut mieux qu'on te trompe avec moins belle que toi, moins valorisante que toi. Mais quand on te trompe avec plus belle que toi, mieux éduquée que toi, parce que moi j'ai vu cette femme, Gladys, la façon dont elle demandait pardon. Elle n'a pas fait le gros dos, elle a demandé pardon. On voit déjà que c'est quand même quelqu'un qui est éduqué. Alors que toi, tu es la sauvagerie même. Avec ton corps dur, 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 dur là. De catcheuse. Tu prends l'enfant d'autrui, l'enfant des gens. Tu la mets nue et tu t'assois sur elle. Et tu mets tes parties sur elle. Tu prends sa tête, tu la mets entre tes jambes. Comme tu étais là, là, ça se voit même que tu ne t'étais même pas douché. Ça se voit même que tu ne t'étais même pas douché. Parce que tu étais trop sale, trop vilaine, madame. Il fallait quand même te préparer un peu. Vu que tu savais que tu allais, tu as jeté un filet, tu savais que tu as fait un guet-apens. Mais il fallait être à la hauteur. Il fallait être bien maquillée, bien présentable. Pour lui montrer que toi, tu es la dame de la maison, de la situation. Mais la maîtresse était propre. Même quand tu l'as laissée nue, qu'elle était nue, les seins à l'air, le sexe à l'air, elle était toujours plus propre que toi, madame, son épouse. Tu étais tellement vulgaire, tellement sale.
Tu n'as même pas eu honte de te présenter devant celle que tu fustiges dans cet accoutrement. Tu nous as montré ton derrière tout flasque. Tout bougli-bougla là, tout bizarre. Tu prends la tête de l'enfant des gens, tu la mets entre ses jambes, entre tes jambes. Je n'imagine même pas la pauvre, les odeurs qu'elle a dû ressentir. Une agression olfactive. Tu as dû lui détruire même, donc l'intérieur de ses narines, là, tu as dû détruire ça. Tu es une épouse, soi-disant, une mère. Tu as une belle famille. Donc, si tu as un beau-père, des beaux-frères, une belle-mère, donc, le monde entier t'a vu dans cet accoutrement-là. Tout dégoûtant. Écœurant. En tout cas. Ça, c'est quel genre d'agression? Agresse même avec style. Avec classe. Tu n'as pas de manière, tu n'es même pas éduqué. Tu ne montres aucune pitié. Et quand on va sur ton mur Facebook, on voit des versets bibliques. Mais ça, c'est quel genre de Bible que toi tu lis? C'est quel genre de Dieu que toi tu adores? Parce que ça ne peut pas être le même Dieu que nous autres adorons. Parce que si vraiment tu es chrétienne, tu te dis chrétienne, et en plus, j'ai vu qu'elle était la présidente d'une association qui vient en aide aux femmes ou aux enfants orphelins, quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom de son association. Si quelqu'un peut me rappeler. Elle dirige une association qui vient en aide aux orphelins ou quelque chose comme ça. Elle nous abreuve de versets bibliques sur sa page Facebook, mais regardez le comportement. Même ta belle famille, là, peut-être chez qui tu faisais semblant, a vu toute ta sauvagerie. Moi, si j'étais ta belle-mère, mais je dirais à mon fils, mais il faut quitter cette femme immédiatement. Parce qu'un jour, elle va te tuer. Vu que le fils aussi, il a la démangeaison de l'infidélité. Il a la démangeaison d'aller tremper son biscuit ailleurs. Mais je dirais à mon fils, ou si c'était mon frère, si c'est ce Tony-là. Ce lâche-là, si c'était mon frère, je dirais, écoute, moi je te conseille une chose, hein. Tu n'as qu'à quitter cette femme. Va faire tes aventures, reste célibataire, comme ça tu vis ta vie. Quitte cette femme parce qu'un jour elle va te tuer. Dans son accès de rage, un jour elle va retourner cette rage contre toi. Moi, si j'étais ta belle famille avec l'acte que tu viens de poser, mais je vais te renier tout de suite. Tu as montré ta sauvagerie, ton manque de dignité, ton manque de classe au monde entier. Et tu t'attends à ce qu'on te comprenne. Et puis ces femmes, ces épouses-là, qui sont là par frustration, peut-être vous-même, vous êtes des femmes trompées. Vos maris vont voir à gauche, à droite. Mais comme vous n'avez pas le courage, parce qu'il faut quand même avoir ce courage-là. Cette audace, cette témérité qu'elle a eue, la Gladys, la pardon, la Michelle. Alors vous êtes là à vous cacher derrière elle. Elle est devenue votre justicière, votre Avenger. Comme vous n'avez pas le courage de parler à vos infidèles de mari, comme vous n'avez peut-être pas le courage d'aller boxer aussi les maîtresses de vos maris, vous vous cachez derrière la Michelle en disant que c'est bien fait. Ces femmes-là sont des briseuses de couple. Ah bon? Mais si ces femmes-là sont des briseuses de couple, toi, en tant que femme, il faut rester debout. C'est à toi de maintenir ton couple. Et si tu vois que ça ne va pas, mais tu laisses l'homme. Tu ne vas pas aller gâcher ta vie, tu ne vas pas aller gâcher ton honneur, ta dignité, perdre ta dignité pour un homme qui, aujourd'hui, quand tu vas être arrêté, parce qu'elle dit qu'elle assume, hein. La Michelle, elle a dit qu'elle a fumé. Elle a fait un direct où elle reconnaît avoir séquestré Gladys, l'avoir battue.
Donc ça, ce sont des preuves à charge qu'elle est en train de se mettre sur le dos sans le savoir. Parce qu'elle n'a pas l'air aussi très intellectuellement évoluée, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que de toute façon, quelqu'un d'intellectuel ne peut pas poser un acte d'une bassesse aussi indescriptible. On voit bien qu'elle n'a pas les neurones en place. Cette femme est une sociopathe, une psychopathe. Elle demande pardon, mais la minute d'après, elle dit qu'elle assume et quelque part, on sent qu'elle ne regrette pas vraiment son geste. Qu'elle ne prend pas l'ampleur, la gravité de son geste. Pour l'instant, elle ne réalise pas. Elle joue les braves, hein, parce que de toute façon, c'est la seule attitude qui lui reste. C'est tout ce qu'elle peut faire, jouer les braves. Parce que dans les réseaux sociaux, il faut qu'elle montre qu'elle reste debout. Et parce qu'elle a quelques fanatiques, elle a quelques arriérés comme elle, quelques décérébrés comme elle, qui soutiennent son acte immonde. Ces épouses frustrées de la tromperie de leur mari, qui trouvent légitime, normal d'agir ainsi, et qui justifient cela. Alors que ce sont des actes répréhensibles et punis par la loi. Comment vous pouvez cautionner ce genre de choses? Vous protégez vos maris. Donc, en fait, à entendre ces femmes, ces épouses, parce que vous êtes mariés, et puis elle était là en train de nous montrer son alliance, je suis mariée, patati patata. À entendre ces femmes, la fin justifie les moyens. Vous vous en prenez aux maîtresses de vos maris, mais quid de vos maris? Vos maris sont là au chaud. Ce sont des enfants, quoi. On est venu les attraper, les prendre la nuit pendant que vous dormiez, en état d'inconscience, et on s'est mis sur eux, et on a commencé à leur faire des choses, à leur faire ressentir du plaisir à l'insu de leur plein gré. Vos maris sont des enfants, ce sont des irresponsables. Les mauvaises, ce sont toujours les maîtresses. Ce sont des sirènes, des sorcières qui envoûtent vos maris. On est prêt à condamner la maîtresse, on est prêt à l'humilier, on est prêt à lui faire tout et n'importe quoi, mais on pardonne à son mari. Et puis on va aller à l'église, et puis le mari, il va dire, vraiment, je ne sais pas, elle a dû elle me posséder, elle a dû m'envoûter, me marabouter, je demande pardon, et puis tout le monde va dire, Alléluia, Amen. Vos maris sont tellement parfaits. C'est jamais de leur faute. C'est toujours la faute des maîtresses. Oui, c'est vrai qu'il y a des femmes qui traquent les hommes mariés et qui en font une priorité, qui viennent briser les couples des gens, qui détruisent des familles. Et ça, nous le condamnons, bien entendu. Personne ne peut accepter que, ben voilà, l'équilibre d'un foyer soit brisé. À cause d'une briseuse de ménage. Mais cela ne vous donne pas droit. Votre mari n'est pas votre propriété. Le mariage ne fait pas de vous un objet et ne fait pas de votre mari un objet. Votre mari, quand il agit en son plein gré, qu'il vous trompe, il a brisé le serment qu'il vous a prêté, qu'il vous a donné. Il vous a juré fidélité, il a brisé cette fidélité. Il faut vous en prendre à vos maris. Il faut arrêter d'aller vous rabaisser en tant qu'épouse, rester à votre place d'épouse, garder votre dignité. Surtout quand la maîtresse est même plus jolie que vous, plus jeune, plus intelligente que vous. Essayez de garder au moins votre raison, votre légitimité d'épouse. Ce que Michel a fait, c'est comme si vous marchez dans la rue, vous voyez ben, un fou qui se met à poil, qui vous jette des pierres. Et puis vous décidez que voilà, ben, vous allez enlever vos vêtements et vous allez prendre des pierres et vous allez vous mettre à lui jeter à votre tour. Ben, les gens qui vont passer, ils vont se dire, oh, ce sont deux fous qui sont en train de se battre. Personne ne comprendra que vous, vous êtes saine d'esprit ou vous êtes sain d'esprit. On verra que vous êtes deux malades mentaux en train de vous battre. Alors, Michel, madame, son épouse,
avec toute la légitimité que vous confère votre titre ou ton titre d'épouse. Il fallait rester à ta place d'épouse, sous ton trône de gloire. Il fallait pas te rabaisser, aller traquer, mais vraiment, il faut être peu sûr de soi, hein, pour faire prendre un billet. Non, la meuf, excusez-moi, la femme là, elle s'est crue dans un film. 007. Elle a traqué. Elle a pris un billet d'avion. Elle est partie à Kinshasa. Séquestrer une femme qui n'avait plus aucune relation avec son mari. Quel manque de confiance en soi. Il faut être très peu sûr de soi pour agir de la sorte. Une femme qui est sûre de son assise, qui est sûre de son mariage, ne peut pas se rabaisser, ne peut pas descendre jusqu'à une telle profondeur d'absurdité, d'immoralité. Ça prouve qu'elle a déjà, elle n'a pas confiance en elle. Elle n'a pas confiance en son mari. Alors que le mariage en soi repose d'abord sur la confiance. C'est ça la base du mariage. Le mariage, le socle du mariage, c'est d'abord la confiance. Mais si la confiance est brisée, à quoi bon? Ça ne sert à rien. Tu vas jamais dormir, tu dormiras que d'un œil. Mais tu vas mourir d'un AVC, tu vas mourir de stress. Pour rien, ma soeur. Parce que dès qu'il sera au téléphone, tu vas sursauter. Avec qui tu parles? Dès qu'il aura 10 minutes de retard, tu vas lui faire une scène. Tu étais où? Avec qui? Et plus tu agiras de cette façon, et moins le mari aura envie de toi. Parce que votre foyer va devenir un enfer. Parce que tu vas devenir complètement parano. Du coup, tes enfants vont être affectés. Tu vas négliger ton foyer. Et le mari aura de moins en moins envie de toi. Logiquement, il ira voir ailleurs. Donc, c'est un engrenage, vous voyez? C'est un cercle vicieux. Alors, vraiment, mes sœurs, vous, mes sœurs, mes mamans qui cautionnaient ce genre de choses, parce que soi-disant il faut arrêter de défendre les maîtresses, etc. Vous êtes des femmes. Vous avez des filles aussi, vous avez des sœurs. Demain, on peut faire ça à votre sœur. Qui vous dites irréprochable? Qui ne vous dit pas qu'un jour, votre fille peut-être va se retrouver dans la même situation que Gladys? Elle va se faire embobiner par un homme qui va la blaguer et qui... Voilà. Parce que dans la vie, ça arrive. Il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. L'eau que tu refuses de boire, tu vas te laver avec. Vous voyez? Dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, ça peut arriver à ta soeur, ça peut arriver à ta fille, ça peut arriver à ta cousine. Ça peut t'arriver même toi-même aussi de tromper ton mari sur un coup de folie, un coup de tête, une passion comme ça peut arriver. Mais cela ne nous confère pas le droit d'abuser de notre statut d'épouse pour aller maltraiter une femme. Il y a quand même, elle a quand même dit qu'elle a été violée, cette femme, cette jeune femme. Elle a été séquestrée pendant 2 jours, selon son témoignage. On lui a fait des attouchements sexuels. Et ça, on l'a vu parce que on voyait comment cette Michelle prenait un plaisir malsain à tripoter les seins de Gladys. Elle l'a tapé, elle lui donnait des claques sur les fesses, lui donnait des claques sur les seins, lui tripotait les seins, mais on voyait c'était vraiment du sadisme. Elle prenait un plaisir sadique à toucher le corps d'une femme comme elle. Donc moi, je pense qu'elle a des relents de lesbianisme, elle doit être bisexuelle, ou peut-être que quand elle a vu le corps de Gladys, elle-même, elle s'est retrouvée envoûtée par ce corps. Parce qu'il faut dire que Gladys est bien foutue. C'est une jolie femme, une belle femme. Je crois que quand elle s'est retrouvée face à face avec elle, elle a dû vraiment avoir le vertige.
Parce qu'à un moment donné, elle dit même, elle lui pose des questions, mais vraiment, mais il faut être malade. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu faisais l'amour avec mon mari? Mais même la Gladys était choquée, elle a dit, mais maman, comment ça, qu'est-ce que je ressentais? Mais qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là? Elle lui dit, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, elle lui dit à un moment, aujourd'hui tu vas me montrer ce que tu ressentais avec mon mari. Donc elle lui dit qu'elle va coucher avec elle. Ma soeur, si tu es lesbienne, hein, il faut assumer. Tu n'as qu'à laisser ton mari et aller te trouver une autre femme comme toi et assumer ton délire de lesbienne là. Parce que tu es lesbienne. On ne sait même pas si elle est lesbienne ou si elle est bi. Peut-être qu'elle est des deux. Elle est bi. Mais moi, j'ai senti qu'elle avait du désir pour la Gladys. J'ai senti ça. Parce qu'il y avait une telle perversité en elle. Elle prenait un plaisir sadique à torturer une autre femme, à toucher le corps d'une autre femme comme elle. Ceux qui n'arrêtent pas de répéter que cette Gladys a aussi tort, mais combien de fois on va essayer de vous dire, on va vous répéter que on n'est pas là en train de défendre l'infidélité. Il faut regarder aussi dans quelles circonstances cette infidélité a été effective, a été faite. Vous êtes là en train de dire que la Gladys, elle a tort, mais pourquoi vous ne condamnez pas aussi le mari? Pourquoi vous rejetez toute la faute sur Gladys? Gladys a tort, Gladys a tort. Oui, elle a tort, mais est-ce que son tort justifie l'acte de barbarie insensé qu'elle a subi? Mais on parle chinois ou c'est comment? Pourquoi vous vous focalisez sur le fait que elle a trompé, elle a pris le mari d'autrui? Mais on le sait. Personne n'applaudit le fait d'aller coucher avec le mari d'un autre. Mais la Gladys l'a tort. Mais alors dans ce cas-là, condamnez aussi Michel qui a déjà fait ces choses-là avant. Gladys. On sait. Est-ce que vous pouvez juste vous focaliser sur l'acte en lui-même? C'était l'effet de la colère. La personne qui écrit que Michel a agi sous l'effet de la colère. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est une préméditation. Quand il y a préméditation, on ne peut même plus dire qu'il y a colère. Parce que quand vous êtes en colère, vous pouvez commettre un crime sous l'effet de la colère, d'une colère instantanée, d'une violence subite qui vous saisit et vous commettez l'irréparable. C'est spontané. D'accord? Là, on est en train de parler d'une chose qui a été planifiée, calculée, préméditée. On n'est plus dans l'optique, on n'est plus dans la colère, on n'est plus dans le registre de la colère simple. D'accord? La colère, elle peut se comprendre le jour où elle a découvert les messages de son mari et de Gladys. Elle devait être en colère. Ça se conçoit. Là, on est dans une optique de vengeance. Comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ce n'est plus de la colère. Elle a planifié tout ça. Elle a mis des mois, parce que la relation de Gladys et du Tony, là, a débuté en mars et s'est terminée, je ne sais plus, en avril ou en mai, quelque chose comme ça. Et Michel aurait trouvé les messages. Serait tombé sur les messages vers le mois de septembre-octobre. Et les faits que nous dénonçons ici se sont produits fin novembre, début décembre, quelque chose comme ça. Donc elle a mis 2 mois, 2 ou 3 mois avant de passer à l'acte. Elle a eu le temps de booker un billet d'avion pour Kinshasa. Elle a eu le temps d'échanger des messages via WhatsApp en se faisant passer pour son mari avec Michel, avec Gladys. Elle a pris un téléphone qu'elle a donné à son cousin ou je ne sais quel membre de sa famille qui a prétendu que Tony était sous la douche et qu'il ne pouvait pas venir récupérer Gladys. Elle a envoyé une personne aller récupérer Gladys en voiture et pour la ramener dans sa tanière. Donc on n'est plus dans le registre de la colère. D'accord?
Vous ne pouvez pas prendre ça comme de la colère. Ça, ce sont des circonstances aggravantes. La préméditation est une circonstance aggravante. Pourquoi quand il y a un procès et que on parle de meurtre avec préméditation ou de crime avec préméditation, on prend toujours plus cher? Parce qu'on a eu le temps de calculer froidement, de préméditer et de concevoir le crime. Alors arrêtez de vous baser sur des excuses de colère, ça ne prend pas. La colère, c'est instantané. La colère, elle n'est pas là pendant 3 mois. On est dans un registre de vengeance, de haine. Elle n'a pas réagi à chaud. Elle a pris du temps pour préméditer tout ça. Donc, toutes vos justifications là, inutiles que vous êtes en train de donner, donc, pour moi, ça n'a, c'est nul et sans objet. C'est sans valeur. Ça n'a aucun sens. Arrêtez de chercher à comprendre, arrêtez de chercher de trouver des circonstances atténuantes, de trouver des excuses à cet acte immonde. Parce que dans ce cas-là, vous ne valez pas mieux qu'elle. Dans ce cas-là, on doit aussi interroger votre moralité. Vous êtes là en train de l'encourager, hein. Mais quand elle va se faire arrêter et qu'elle finira derrière les barreaux, je ne pense pas que parmi vous, ceux qui l'encouragent, qui disent bravo Michel, tu nous as vengé, nous les femmes mariées, les femmes bafouées, dont les maris vont voir à gauche et à droite, bravo. Je ne pense pas que vous allez vous cotiser pour lui payer l'avocat. Ou que vous irez la voir en tôle. Ou je ne pense pas que vous allez vous soucier ensuite de ses enfants et que vous vous en occuperez. Alors arrêtez avec vos encouragements débiles. Ça n'a aucun sens. Si vous êtes frustré parce que vos maris vous trompent à la maison, réglez vos problèmes avec vos maris. Arrêtez de chercher des boucs émissaires. Il faut être deux pour commettre un adultère. Quelle colère! Est-ce que la colère, donc parce que tu es en colère, tu as le droit de faire ça à l'enfant d'autrui? Tu as le droit d'exposer sa nudité, de lui demander d'écarter les jambes, de l'humilier. Hein? Devant le monde entier, combien de milliers de personnes ont vu cette vidéo? Et vous êtes en train de nous dire que c'est la colère. Elle a demandé pardon. Et alors, si le pardon suffisait, pourquoi il y a des tribunaux? Donc moi, demain, je vais aller tuer quelqu'un, je vais demander pardon et ça s'arrête là. Tu vas voler dans un magasin, on t'arrête, tu demandes pardon, on te dit, bon, ok, c'est bon, tu as demandé pardon, bon, allez, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Tu n'as qu'à partir. Non, mais vous êtes sérieux? Elle a demandé pardon, so what? Elle a demandé pardon et après? Est-ce que c'est son pardon-là qui va rendre sa dignité à Gladys? Vous vous rendez compte du choc psychologique, du choc moral, dans quel état elle est cette femme, cette jeune femme qu'on a humiliée devant le monde entier? Le pardon ne suffit pas. Et puis moi, son pardon, je ne le trouve pas sincère. Parce que chez nous, Congolais, Africains, surtout nous, les chrétiens, là, on sait que quand on demande pardon, on trouve des excuses. Oui, j'étais envoûtée, c'est pas moi, j'étais envoûtée. Le diable est rentré en moi, pardonnez-moi, allez, hop. Au nom de Jésus-Christ, je te pardonne. Non. Si le pardon suffisait, pourquoi il y a la police? Pourquoi il y a la justice? Le pardon ne suffit pas. Il faut qu'elle paye pour le crime qu'elle a fait. Le crime qu'elle a commis. Son pardon ne va pas rendre sa dignité, sa tranquillité à Gladys, hein? Il faut qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. Il faut qu'elle répare. Il faut qu'elle se tape même 5 ans, 10 ans de tôle. Et là, on considérera son pardon. Un pardon fait avec dédain, avec arrogance. Un pardon même pas sincère. Je suis prête à aller en prison. Je reconnais avoir séquestré patati patata. Elle fait en plus le gros dos. Elle est là, là, en train de se. Donc, elle joue vraiment. Donc, non, cette femme est incroyable, hein, d'audace. Elle est incroyable d'audace. Et vous qui la défendez, hein, vraiment Dieu vous voit. Continuez à défendre l'indéfendable. Le jour où ça va arriver à quelqu'un de votre famille, à votre fille, à votre sœur, j'espère que vous serez aussi dans la même posture de dire que c'est bien fait.
Est-ce que vos statuts d'épouse font que vous êtes devenues des justicières, des Wonder Woman qui doivent appliquer des punitions contre celles avec qui vos maris les trompent? Vos statuts d'épouse vous confèrent le droit d'humilier une femme de cette façon? De commettre des attouchements sexuels, de la frapper, de la séquestrer? Hein? Non, faut arrêter. Hein? C'est de la barbarie, soyons humains. Comment vous pouvez voir la faute de Gladys, mais vous êtes en train de cautionner la plus grande faute de son bourreau? Et le mari aussi, là, dont on ne parle presque pas, cette espèce de lâche, il faut que je m'adresse aussi à ce Tony-là. Je ne sais pas si le Tony, là, c'est Brad Pitt ou quoi, mais vraiment, on a vu aussi sa photo. Ce n'est même pas Brad Pitt. Hein? Donc, aller se battre pour quelqu'un, vraiment, je sais même pas, je trouve même pas les mots tellement je suis indignée. Donc, toi, Tony, là, tu es parti t'enjailler avec Gladys. Tu es parti draguer cette fille. Vous avez fait ce que vous deviez faire entre adultes. Tu es tellement, excuse-moi du terme, peu intelligent que tu t'es fait attraper comme un débile par ta psychopathe de femme. Tu as pris, tu sais que ta femme, ton épouse est folle, mais tu vas la tromper. Et puis tu prends le temps d'envoyer un message en disant à Gladys, fais attention, ma femme est tombée sur nos messages WhatsApp, etc., etc. Mais quand ta femme est arrivée à Kinshasa et qu'elle a prémédité tout ça, quand tu as vu Gladys entrer dans votre maison, quand tu as entendu les cris de cette fille, t'as pas eu pitié d'elle. Donc toi, ton seul souci là, c'était de tremper ton biscuit, de t'enjailler avec elle. Mais quand cette fille avec qui tu as pris du plaisir, s'est fait violenter par ta psychopathe d'épouse, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu aurais dû faire? Pourquoi tu n'es pas sorti? Pourquoi tu n'as pas arrêté la folie de ta psychopathe d'épouse? Comment toi, un homme qui a pris du plaisir avec une femme autre que la tienne, tu laisses ta femme maltraiter cette femme, cette fille? Tu es resté cloîtré alors qu'elle demandait pardon. Tu n'as même pas eu pitié. Un lâche. Non seulement tu es infidèle, mais tu es lâche. Les gens qui viennent me dire au tiki politique, tout ça, arrêtez vos histoires là. On n'est pas là aujourd'hui. Il ne s'agit pas de parler de politique ou du Congo. On parle d'un fait de société. Et en tant qu'humain, nous avons le droit et le devoir de dénoncer ce genre de choses. Ne venez pas ici avec vos distractions, s'il vous plaît. Ne nous dérangez pas avec vos bêtises. Ce que nous sommes en train de dénoncer fait partie aussi de la politique. De notre pays, de notre société. Cette impunité doit cesser. On ne peut pas cautionner ce genre de choses. Au nom de je ne sais quelle morale, au nom de je ne sais quoi, de titre d'épouse, on ne peut pas cautionner ce genre de choses. Tony, tu n'es pas un homme, tu es une omelette. Un lâche qui n'arrive même pas à assumer ce qu'il a fait. C'est comme si cette fille-là a commis cet acte, cet adultère toute seule. Tu n'es même pas capable. Donc, on voit déjà que ce Tony est contrôlé par sa psychopathe d'épouse. Parce qu'un homme, un vrai, tu assumes, ok, d'accord, je t'ai trompé, mais maintenant, comporte-toi en tant qu'épouse, on règle nos problèmes entre nous, laisse cette fille en dehors de ça. À la minute où Gladys avait franchi les grilles de votre maison, tu aurais dû te lever en tant qu'homme et te dresser entre elle et ta femme. Tu aurais même pas dû permettre à ce qu'on aille chercher cette pauvre fille pour qu'on vienne la maltraiter dans votre maison. Et tu te dis un homme. Tu n'as même pas eu pitié pendant qu'on l'a frappée, qu'on l'a maltraitée. Elle a dit que pendant 2 nuits, ton épouse
Est-ce que tu entendais ton épouse dire qu'elle voulait coucher avec ta maîtresse? Est-ce que tu trouves ça normal? Mais vous êtes quel genre de couple démoniaque? Ton épouse dit à ta maîtresse elle va enjailler son corps. Qu'aujourd'hui, tu vas faire avec moi ce que tu faisais avec Tony. Et toi, ça ne te révolte pas. Ton épouse qui tripote les seins, les fesses d'une autre femme, est-ce que ça t'excitait ou c'est comment? Hein? Et donc, vous pensez vraiment que c'est ça le mariage? Et vous vous dites aussi que Dieu approuve ce que vous faites. Mais il faut vous séparer. Il faut arrêter de faire des victimes. Si vous avez ta femme, peut-être elle-même, elle t'a pris dans les bras d'une autre femme. Toi-même, pareil. Vous avez, entre toi et ta femme, là, vous avez des gènes de tromperie en vous. Alors, il faut vous séparer comme ça. Chacun vit sa vie et vous continuez. Ou bien, acceptez que soyez un couple libre. Acceptez que chacun puisse aller voir ailleurs, mais ne faites pas des dégâts collatéraux. Ça, c'est quel genre d'homme, c'est quel genre d'omelette qui s'enferme comme un lâche derrière la porte pendant qu'on est en train de torturer la fille avec qui il a pris du plaisir. Vraiment. Ne fût-ce que pour le plaisir qu'elle t'a donné. En tout cas, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais nous dire à nous, femmes, épouses, mères, sœurs, filles, respectons-nous et respectons notre prochain. Le respect des autres vient par le respect de soi-même. Si tu es une épouse, que tu sais que ton mari te trompe, règle tes problèmes avec ton mari. Ne perds pas ta dignité. Si tu estimes que la personne avec qui ton mari est en train de te tromper n'arrive pas à ton niveau, reste à ton niveau, ne te rabaisse pas alors à son niveau. Comme ça, on va te respecter en tant qu'épouse. Règle ton problème avec ton infidèle de mari. Parce que demain, il va te tromper encore et encore. Celui qui trompe une fois, deux fois, trois, le refait. Gardez votre dignité. Gardons, mes sœurs, s'il vous plaît. Gardons notre dignité. Gardons notre sens de l'humanité. On ne peut pas se faire ça entre femmes. On ne peut pas. Pour un homme qui, si vous mourrez aujourd'hui, va refaire sa vie vite. Si aujourd'hui vous allez en prison, il va vous tromper encore plus. Vous êtes déjà dehors là avec lui, il vous trompe. Alors vous pensez que si vous tapez 5 ans, 10 ans de prison, comme la Michelle se dit, prête à partir 5 ans, 10 ans en prison, tu crois que pendant 5 ans, 10 ans, ton infidèle de Tony va t'attendre? Gardons notre dignité. Tu es une femme, une épouse. Garde ta dignité. Prends ta dignité, hein. Revêt-toi de ta dignité comme un vêtement. Garde la tête haute. Ne te rabaisse pas. Parce que là, vraiment, je suis mariée, je suis mariée. Où est l'attitude d'une femme mariée là-dedans? Hein? Où est l'attitude d'une femme mariée? Une femme mariée peut se montrer dans cette posture. Une femme mariée peut se présenter en caleçon, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'elle avait mis là, son caleçon bizarre, d'une couleur indéfinie. Ça, c'est une femme mariée, ça. Tu as montré ton derrière à ta belle famille. Ah non, faut laisser les gens en mariage. Mariage, c'est quoi? Mariage, là, c'est diplôme. C'est mariage, là, qui va t'emmener au paradis. C'est mariage qui va sauver ton âme. Mariage, mariage. Hein? On n'est pas en train on n'est pas en train de désacraliser le mariage. On n'est pas en train de renier la valeur du mariage. Mais il faut donner de la valeur à ce mariage. N'est-ce pas? Il faut donner de la valeur. Vous savez, hein, vous pouvez avoir un vêtement de luxe, hein, qui coûte très cher. Mais si vous ne savez pas vous habiller, si vous ne savez pas associer les choses entre elles, votre vêtement de luxe ne servira à rien du tout. Vous pouvez avoir une montre qui coûte cher. Une montre qui coûte 30 000 euros. Mais sachez qu'elle donne la même heure que la montre de la personne qui ne coûte que 30 euros. La montre de 30 000 euros et la montre de 30 euros donnent la même heure. Tout n'est que vanité. Le mariage, ce n'est pas ça qui va vous emmener au paradis. Il faut d'abord chercher le royaume des cieux. Il faut sauver votre âme.
L'acte-là que tu as posé, Michel, anéantit même les sacrements de ton mariage. Tu n'es pas une femme mariée. Parce que tu ne connais pas la valeur du mariage. Si tu connaissais la valeur du mariage, si tu connaissais vraiment la valeur de ton statut d'épouse, tu n'allais pas te rabaisser à ce niveau. Mariage, mariage, mariage. Mariage, c'est devenu trophée. Faut nous laisser. Hein? Tu es marié, so what? Tu es marié, donc ça te donne le droit de ridiculiser, d'humilier, de battre une femme comme toi? Ton mariage, là, on t'a donné diplôme pour ça? Tu as fait quelle étude là pour être marié? Hein? Vous parlez de mariage, on dirait que vous avez des master degrees, on dirait que vous avez des MBA. C'est quoi le mariage? Le mariage, c'est la confiance. Le mariage, c'est le respect entre deux personnes. Où est la confiance? Où est le respect? Ne venez pas parler de mariage si vous ne savez pas ce qu'est le mariage. Est-ce que tu as respecté ton sacrement? Est-ce que tu as respecté ton mariage? Venir nous dire que tu es marié, tu es marié. Tu es marié quoi? Montre-nous le diplôme de ton mariage. Hein? Le jour où tu vas mourir et qu'il y aura le jugement, tu vas ramener à Dieu le diplôme de ton mariage. C'est ça qui va t'ouvrir les portes du paradis. Mariage, mariage. Ah, faut nous laisser avec vos histoires de mariage. Là, c'est quoi même? Hein? Tu es marié, mais tu ne te respectes pas. Tu es marié, tu es là en train de nous montrer ton derrière tout flasque là, dans ton short indéfini, de couleur indéfinie. C'est ça une femme mariée? Reste digne. Tu nous fatigues avec ton mariage, c'est quoi même? Donc en dehors de mariage là, les femmes ne sont pas respectables. En dehors de mariage, point de salut, point de dignité. Donc vous là, quand Jésus va revenir, il va prendre que vous les femmes mariées, toutes les autres là vont rester. C'est ça? Il faut retourner, hein, lire l'histoire de la Samaritaine, hein. Si vous pensez que c'est votre mariage qui va vous sauver, l'acte que tu as commis même devant Dieu, c'est toi qui es devenue la pécheresse. Dieu peut pardonner même à Gladys. Parce qu'elle a peut-être péché inconsciemment en allant coucher avec ton mari. Mais toi et ton mari là, qui vous dit que vous serez pardonné? Hein? Donc ton statut de marié te permet de violenter une femme comme toi. Et ton bololé de mari là, ce lâche là qui se cache derrière. Moi je voulais voir aussi là, il fallait prendre les deux, mettre leur dignité en jeu comme ça là. Il fallait venir exposer le sexe de ton mari aussi, que nous voyons vraiment s'il vaut la peine de, que nous voyons vraiment s'il vaut la peine que tu te battes ainsi pour lui. Mariage là, hein, j'espère que c'est ça qui va vous emmener au paradis. Votre mariage. J'espère que le jour où Jésus reviendra, il ne prendra que les femmes mariées, nous, les autres là qui sommes divorcées, surtout nous. Les divorcés là, on est comme ça. Pourquoi tu as divorcé? Pourquoi ceci, cela? Devant les femmes mariées. En dehors du mariage, point de salut. En dehors du mariage, point de respect. Le mariage n'est pas un trophée. Le mariage n'est pas la couronne de gloire avec laquelle vous devez vous revêtir pour écraser les gens. En tout cas, c'est ça que j'avais à dire. C'est ça que j'avais à vous dire. Respectons-nous, femmes. Il faut se respecter, garder notre dignité. Si tu es indigne, ton mariage ne vaut rien. Ton mariage ne vaut rien. Même une prostituée a plus de dignité. Même la prostituée sait dire non. Des fois, elle voit un client qui vient devant elle. Elle dit non, en tout cas pas toi. Pourtant, c'est une prostituée. Mais elle dit non. Parce que même la prostituée a ses critères. Elle sait que ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire. Mais toi qui es mariée, tu as respecté ton mariage. Tu as respecté ta valeur d'épouse. Tu as respecté ta belle famille. Tu as respecté tes enfants. Tu as respecté ta famille?
Le mariage. En tout cas, hein, quand tu seras au tribunal là-bas, il faut sortir ton diplôme de mariage pour expliquer au juge que je l'ai fait en ma qualité d'épouse. Et comme ça, le juge va dire, ok, ah, ok, d'accord. Oui, oh là là, oui, bravo. Comme c'est pour le mariage que tu as fait ça, en tout cas, on te laisse. Tu n'as qu'à rentrer chez toi, aller vaquer à tes occupations. Le jour du jugement, Madame Michel, il faut ramener ton certificat de mariée et expliquer au juge pourquoi tu as fait ça. Et puis comme on dirait que tu apprécies le corps d'autres femmes, je pense que quand tu iras en prison là-bas, on va te satisfaire le goût là de ce que tu as pris là-bas chez Gladys. On va te donner ça tous les jours, puissance 1000. Mariage, mariage. Allez, laissez-nous dire. En tout cas, merci. Surtout, je voudrais aussi m'adresser à Gladys parce que j'ai parlé de ces deux psychopathes. Mon dernier mot, ça sera pour Gladys. Ma sœur, elle pensait t'humilier devant le monde entier. Mais nous, tes frères, tes sœurs, Congolais, Ivoiriens, Camerounais, Africains, et même ceux qui ne sont pas Africains, on a pris part pour toi. Elle pensait te rabaisser. Ma sœur, laisse-moi te dire que tu es beaucoup plus digne qu'elle. C'est ta nudité-là qu'elle a exposée, hein. Mais c'est son âme qu'elle vient de dévoiler. Elle a le cœur noir, c'est une sorcière. Ma sœur, garde la tête haute. Ce qu'on a vu là, on a déjà vu. Des seins, on en a tous. Le sexe féminin, on a tous. Ne te fais même pas de soucis par rapport à ça. On n'a pas. Nous, elle a exposé ta dignité, mais nous, on n'a pas vu ta nudité, pardon, mais nous, on n'a pas vu ta nudité. Nous, on a vu ton cœur, on a vu ton humiliation, on a vu que tu as été blessé. C'est ça que nous, on voit. Ne te fais même pas de soucis parce que ton image a circulé dans tous les réseaux sociaux. Non. Gladys, je te soutiens, ma sœur. N'écoute pas les haineux, ceux qui te condamnent, etc. Quel que soit l'acte que tu as fait, ma sœur, garde la tête haute. Et aussi, je pense que c'est une grande leçon aussi pour toi dans ta vie. Vraiment, mes sœurs qui sont au pays, s'il vous plaît, ne vous laissez pas séduire comme ça bêtement par des hommes sur Internet et vous vous donnez comme ça. Vous ne connaissez pas les conséquences. Je sais que la misère en Afrique peut pousser nos sœurs à se donner comme ça, à se laisser charmer. Mais vaut mieux rester pauvre, hein, et conserver sa dignité. Qu'aller se donner comme ça et la perdre. Gladys, nous ne jugeons pas ce que tu as fait. Ça là, c'est Dieu là qui peut te juger. Tu vois? Mais nous, si aujourd'hui nous nous tenons à côté de toi, c'est parce que tu as été humiliée. En tant que sœur, en tant que mère, en tant que fille, ce qu'on t'a fait, j'ai eu l'impression qu'on me l'a fait à moi. C'est pour ça que moi, Yuyu Mutumo, si je me suis dressée avec toi, pour toi, contre cette Michelle. Je ne suis pas en train de cautionner le fait que tu aies pu avoir une aventure avec un homme marié. Que tu aies su qu'il était marié ou pas, là n'est pas le problème. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là de juger l'acte que tu as posé. Je suis dans l'optique de défendre ta dignité en tant que femme, en tant que fille, en tant que mère. C'est ça que je voulais dire. En tout cas, vous ne t'embêtez même pas. N'écoute pas tout. Ils sont peu, hein, ces décérébrés-là qui soutiennent cette Michelle, ces psychopathes, ces sociopathes. Ils sont peu. On est peut-être 99,99% à te soutenir. Et il y a 0,1% là qui font du bruit pia, 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 pour rien du tout. Qui soutiennent cette barbarie parce que ce sont des barbares eux-mêmes. Nous, on est avec toi. On est avec toi. Tiens bon. On sait que c'est pas facile ce que tu as vécu. On t'a humilié. On a exposé ton corps. Mais tiens bon, ma sœur. Tiens bon. Et on fera le nécessaire ici, en Europe, comme cette espèce de psychopathe vit en Belgique. On va faire le nécessaire s'il faut se porter partie civile, s'il faut qu'on contacte les associations d'aide aux victimes, etc. Qu'on contacte Interpol. On fera le nécessaire pour qu'elle paye pour ce qu'elle t'a fait. Ça, moi, je t'en donne ma parole. Je te donne ma parole de mère, je te donne ma parole de sœur, je te donne ma parole de compatriote, je te donne ma parole de patriote et d'activiste. Ne regarde pas ceux qui sont en train de se moquer de toi.
On n'a pas vu ta dignité, ta nudité. On a vu ta dignité. Alors, laisse-les parler. Elle a exposé ton corps, elle a cru te rabaisser, mais elle s'est rabaissée elle-même. Mais mes sœurs, pardon, pitié, mes sœurs qui sont en Afrique, je vous mets vraiment en garde contre certains hommes qui sont surtout ici en Europe, qui viennent au pays seulement pour profiter de vos charmes. Ils vont vous raconter des bobards qui ne sont pas mariés, etc., etc. Ne tombez pas dans le piège. La pauvreté ne peut pas vous pousser à perdre votre dignité. Restez dignes, mes sœurs. Ils vont jouer avec vous, utiliser vos corps et vous abandonner, retourner auprès de leurs femmes. Si vous tombez sur des psychopathes comme cette Michelle, on peut vous faire ce que on a fait à Gladys. Alors, s'il vous plaît, soyez sages, mes sœurs. Je vous en conjure, soyez sages. Ne vous laissez pas embarquer pour un sentiment de quelques minutes, un plaisir de quelques secondes qui peut vous emmener dans un trou noir. Mais Gladys, tiens bon. Je vais t'appeler. J'ai essayé encore de t'appeler cet après-midi, mais ton téléphone était off. Gladys, je vais t'appeler. Nous allons te soutenir. S'il faut te soutenir financièrement, si tu as besoin d'un avocat, nous serons là pour toi. Nous te soutiendrons. Pour que on ne voit plus jamais ça dans notre communauté. Que ce soit dans la communauté congolaise, que ce soit dans la communauté africaine, que ce soit partout. On ne veut plus voir ce genre de choses. Ce genre d'anti-valeurs comme Michel. En tout cas, nous allons nous dresser contre toutes les Michel du monde. Donc quand je dis que je suis Gladys, ça ne veut pas dire que je soutiens l'adultère, que je cautionne l'infidélité. Quand je dis que je suis Gladys, c'est au même titre que je dis que je suis bénie, là où on massacre des Congolais, là où on commet des viols, des crimes de guerre. Je suis bénie, je suis Gladys, pour dire que je suis contre la barbarie. Parce que Gladys, ce qu'elle a subi, c'est un acte de barbarie. On doit d'abord premièrement condamner l'acte de barbarie en lui-même. Vous comprenez? C'est ça que nous devons faire en tant qu'humains. En tant que mère, en tant que sœur, nous devons arrêter de juger un acte. Ça s'est passé entre deux adultes consentants. Le mari savait qu'il était marié, il a trompé sa femme. Point barre. Nous devons nous focaliser sur l'acte d'inhumanité qui s'est joué. C'est tout ce que nous devons voir. Ça ne justifie pas. L'infidélité ne peut pas justifier ce genre de choses. Et nous ne voulons plus jamais voir ce genre de choses. Ce genre de comportement primitif, Kanda, oui, on ne veut plus voir ça dans notre communauté. Alors je vous demande, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, Ivoiriens, Camerounais, Sénégalais, partout, partagez cette vidéo et s'il vous plaît, soutenons notre sœur Gladys. Ne voyez pas qu'elle est congolaise ou quoi. Voyez d'abord que c'est votre fille, c'est votre sœur, c'est une femme. Ça peut arriver demain à votre sœur, à votre fille. On ne peut plus accepter ce genre de choses. Nous devons condamner ça avec force et vigueur. Nous devons rejeter ça, mais vraiment de la plus vigoureuse des manières. Gladys, garde ta tête haute, ma chérie. Garde ta tête haute. On est avec toi. Je te répète encore, on n'a pas vu ta nudité. On ne voit que ta dignité. Garde ta dignité. Ne t'en fais pas. Toutes ces images-là, on a déjà vu pire, hein? On va oublier tout ça. Mais toi, sois forte. Sois forte et nous allons te soutenir. Et je demande aussi à la famille de Gladys, s'il vous plaît, n'abandonnez pas votre fille. Ne jugez pas seulement l'acte qu'elle a commis. Ne voyez pas qu'elle a peut-être amené la honte dans votre famille, etc. Il faut soutenir Gladys psychologiquement, moralement, dans la prière. S'il faut qu'elle aille voir un psychologue, je ne sais pas quoi, je sais que là-bas au Congo, ce n'est pas facile, mais il faut lui parler, ne la laissez pas s'isoler. Je ne le souhaite pas, hein, mais il y en a qui se sont suicidés pour moins que ça. Toute cette pression, tous les yeux qui sont braqués sur elle en ce moment. Tous les yeux qui sont braqués sur elle, tous ceux qui la jugent, tous ceux qui se moquent, tous ceux qui... Non, elle est vraiment, j'imagine même pas dans quel état moral cette femme est en ce moment, cette jeune femme. Donc nous sommes Gladys. Nous sommes toutes, tous des Gladys. Nous voulons, nous réclamons la justice pour Gladys et pour toutes les Gladys
du monde. On ne peut pas accepter de cautionner ce genre de choses. Soutenons-la, s'il vous plaît. Mes frères, mes sœurs, je vous en conjure, il faut soutenir Gladys. Ne jugeons pas ce qu'elle a fait ou quoi. Dénonçons d'abord l'acte pour lequel elle est devenue victime. Soutenons-la. Elle en a besoin. Elle doit se sentir soutenue. Et nous devons nous dresser contre toutes ces psychopathes, des Chouchou Ilunga, des Michel, je ne sais pas quoi. Il faut soutenir la victime. Parce que ce qu'elle a subi, c'est un viol physique, mais aussi un viol moral. Et l'exposition de sa nudité, c'est un viol encore en soi. Donc ne cherchons pas à ce qu'elle soit encore violée en la rejetant. C'est comme toutes ces femmes violées que nous défendons à l'est de la République démocratique du Congo qui se font violer. Nous sommes avec ces femmes. Ne cherchons pas des justifications à des actes injustifiables. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir partagé cette vidéo. Continuez à la partager. Et comme je vous avais dit, j'ai envoyé un mail à la Sûreté belge avec des explications, avec un mail explicatif avec les vidéos de Gladys. J'ai fait la même chose auprès de la RTBF, qui est la télévision belge, hein. En expliquant, ils m'ont dit qu'ils allaient me recontacter, donc j'attends les suites. Je veux vraiment qu'on médiatise cette affaire, parce que cette affaire, elle dépasse les clivages africains. C'est vraiment, c'est d'abord une histoire d'humanité. Ça peut arriver même dans toutes les communautés. Donc je pense que tout le monde doit soutenir Gladys, pas seulement les Africains, mais vraiment tout le monde. Et je vous tiens au courant de la suite des événements. Je vais prendre contact avec Gladys. J'espère que ça ne sera pas seulement un feu de paille, un soutien juste spontané comme ça, après on oublie. Non, soutenons-la vraiment du début jusqu'à la fin. Si elle a besoin de payer des avocats, etc. Voyons comment on peut la soutenir moralement, financièrement. Soutenons-la aussi par la prière. Hein. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Prions pour Gladys. Montrons-lui notre compassion, notre amour. Et puis, je vous tiens, je publierai, je vous tiendrai très 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 vite au courant des suites des événements, parce qu'on ne va pas en rester là. On va saisir la justice belge pour que Michel soit arrêtée, qu'elle soit condamnée et qu'il n'y ait plus jamais ce genre d'acte, que ça serve de leçon à toutes les futures Michel qui ont ce genre d'intention. Donc, que vous soyez trompés. Ne peut pas justifier ce genre d'acte barbare. En tout cas, je vous remercie. Vraiment, soyez bénis, hein, que Dieu vous garde là où vous êtes, vous tous. Je sais que beaucoup de frères ivoiriens, sénégalais, maliens, camerounais m'ont écrit. Je vous remercie vraiment infiniment de votre soutien, de vos encouragements. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et je vous tiens au courant. À très bientôt. Allez, des bisous à tout le monde. Et Gladys, je t'embrasse, ma chérie. Courage, force et courage à toi, Ingeta.